أيها الصائمون والصائمات، كيف حالكم في هذا الشهر العظيم؟ كيف حالكم مع العطش والجوع؟ إنه إمساك طاعة لله عز وجل، ودرس للعالم في الصبر. اعلموا أيها الإخوة والأخوات أن العبد في رمضان إما موفق وإما مخذول، فاستبقوا الخيرات وتداركوا الأيام بالباقيات الصالحات. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Je disais, chers frères, chères sœurs, ceux qui sont en état de jeûne, comment vous êtes? Quel est votre état dans ce mois béni? Comment vous vous sentez avec cette pression de la soif et cette pression de la faim? C'est une abstinence. On est en train de s'abstenir par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on est en train de donner un exemple au monde entier dans la patience, dans l'endurance. Si on prend un peuple et on lui propose de jeûner en le monnayant, en le finançant et en le surveillant, bien sûr, c'est sûr qu'il va jeûner. Mais si on lui laisse le choix, on le finance, mais on ne le surveille pas, ben il ira boire. Et nous, c'est pareil. Si on nous donne de l'argent, si on nous paye pour nous dire « Ne jeûnez pas, buvez en cachette, buvez quand vous êtes isolé », on ne boira pas et on ne mange pas. Parce que c'est une adoration secrète entre le serviteur et son Seigneur. Donc, chers frères, chères sœurs, pendant ce mois, soit on est parmi ceux qui vont gagner la récompense divine le jour du jugement, ou soit on sera parmi les perdants, l'iyadou billah. Donc il ne reste qu'une vingtaine de jours. Celui qui est en retard, celui qui n'a pas fait tout son possible pour récolter ses récompenses pendant les 10 premiers jours de ce mois béni, qu'il retrousse les manches, qu'il se retrousse les manches et qu'il va vers l'adoration et qu'il persévère dans l'adoration en espérant la récompense divine le jour du jugement. ليكن أيها الأخ وأيها الأخت شأنك عدم التقلب في أغراض الدنيا وإنما يكون يومك الإدامة في الذكر والدعاء وقراءة القرآن والتدبر في آياته لتحقيق التقوى التي شرع الصيام من أجلها فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللهو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. Mon frère, ma soeur, que ton but dans ce mois béni n'est pas de chercher à courir derrière cette vie d'ici-bas et à courir derrière ses plaisirs et surtout toutes sortes de nourriture, et tu penses que tu vas manger tout ce que tu vas acheter après la rupture du jeûne. Non, mon frère, tout ça c'est des pulsions. Contrôle-toi et fais en sorte que ta journée soit l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, réciter le Coran et méditer les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre en pratique la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le jeûne, il a été légiféré, il a été ordonné pour mettre en pratique
la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et le siyam, et que parmi les grandes causes pour mettre en pratique la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, car on est en train de l'obéir de ce qu'il nous a ordonné et on est en train de l'obéir de ce qu'il nous a interdit de ne pas commettre. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, le jeûne, ce n'est pas le fait de s'abstenir de la nourriture, de la boisson, mais plutôt s'abstenir des propos futiles et obscènes. Alors si quelqu'un t'insulte, mon frère, ou si ma soeur, quelqu'un t'insulte ou t'importune, dis je suis en état de jeûne, je suis en état de jeûne. فهذا توجيه لمن يجب عليه أن يكون الصائم من كمال النفس وطيب الروح وتأثير التقوى حتى تذوق حلاوة الإيمان ومن ذاق حلاوة الإيمان لم يعرف البغضاء ولا الشر ولا العدوان ولا الحقد ولا الغل. Ça c'est un conseil de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le frère et la sœur qui sont en état de jeûne, j'aime pas dire le jeûneur et les jeûneuses, en état de jeûne, il faudrait que la personne soit, ce jeûne, il faudrait qu'il ait des signes sur toi, mon frère. Donc il faudrait que cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ait des traces sur toi, elle ait des signes sur toi. Parce que tu vas goûter à la douceur de la foi, mon frère. Et celui qui goûte à la douceur de la foi, et celui qui goûte à la foi, eh bien mon frère, il ne s'approchera pas de la rancœur, ni du mal, ni de la vengeance, ni de la jalousie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَهُمَا وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. حديث رواه البخاري. Trois qualités, celui qui les possède savourera le délicieux goût de la foi. Aimer Allah subhanahu wa ta'ala, l'exalter, et son messager sallallahu alayhi wa sallam, plus que quiconque. Aimer une personne et ne l'aimer que pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et détester de retourner à la mécréance après qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait ou l'on est sauvé comme l'on est sauvé. Allah t'a sauvé. Comment on détesterait d'être jeté dans le feu? Est-ce que l'un de nous souhaite ou espère d'être jeté dans le feu? La réponse est non. Eh bien c'est la même chose mon frère. Après le ramadan tu restes avec nous. Celui qui s'est repenti avant le ramadan, il ne plie pas bagage après le ramadan. Il reste. Tu restes. Naam, parle avec toi-même. Ah non, je reste. Non, non, non. Moi, je ne suis pas un musulman ramadanien. Non, non, je reste sur le droit chemin. Car j'ai appris beaucoup de choses dans le mois du ramadan. Car le mois du ramadan, c'est une école. Et moi, j'étais son étudiant. Et je vais rester, je ne vais pas partir. Car j'ai goûté à la douceur de la foi. J'ai goûté à la foi et je sais que le ramadan, ce n'est pas s'abstenir de manger et de boire et d'avoir des rapports intimes. Non, le ramadan, c'est plus que ça. Le ramadan, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le ramadan, c'est un mois qui nous ouvre les bras et qui nous accueille. Pourquoi je vais le laisser et je vais aller vers les bras du shaitan? Non, mon frère, reste avec nous après le ramadan. La'allakum tattaqoun. La'allakum tattaqoun. Afin d'atteindre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Iza tahakkakat al-taqwa fi al-qulub, fa innaha tamhu al-ghash min qulub ashabiha mahwan wa yamlakuha khawfullah wa raja'uhu. فتعفو نفوسهم عن الحرام وتغض أبصارهم عن المحارم وتقف ألسنتهم عن الكذب والغيبة والنميمة والكلام البذيء لأنها مشغولة نعم مشغولة بذكر الله واستغفاره وهانت عليهم الدنيا
حيث أراد الله والدار الآخرة. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand elle atteint les cœurs, parce qu'elle n'est pas dans la main, elle n'est pas dans la bouche, elle n'est pas dans les oreilles, elle n'est pas dans les yeux, la crainte d'Allah, elle est dans le cœur. C'est le cœur qui guide tout ce corps. Si c'est ce cœur il est sain, tout le corps sera sain. Si le cœur il est plein de taches noires, eh bien le corps le suivra. La crainte, si elle s'installe dans les cœurs, eh bien elle va effacer, elle va faire sortir la tricherie. Et elle va laisser le cœur sain, plein de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et plein d'espérance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite les corps de ces cœurs sains seront dégoûtés de haram. Ils vont délaisser le haram. Et leur regard va délaisser le haram, va vouloir regarder que dans le halal. Et en premier, regarder dans le Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et leur langue va s'abstenir de la médisance, de la calomnie, de vulgarité. Car leur cœur est occupé avec. Et leur cœur est rempli de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la langue va être occupée d'invocation et de demande de pardon. Et la dunya pour eux ne vaudra rien. Et donc leur seul but, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le jugement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun. Afin d'atteindre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-maqsoudu min khalqi al-khalqa al-ibada ila al-nasila ila marhalati al-taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer et dans cette adoration on atteindra étape par étape jusqu'à la dernière étape, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas, يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. Afin d'atteindre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer et afin d'atteindre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلنسأل أنفسنا هل وصلنا إلى مرحلة التقوى في رمضان؟ هل التقوى عمرت قلوبنا؟ هل التقوى في رمضان عمرت هذه القلوب التي تحب هذه الدنيا؟ كيف؟ ولماذا؟ أسئلة. كيف نتقي الله؟ فهذه فرصة في هذا الشهر لتقوى الله، لأن في هذا الشهر مراقبة الله تتحقق كما تتحقق في ليلة السنة، لكن في هذا الشهر هناك صيام. Car il y a l'observation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce mois, bien sûr pendant toute l'année. Mais dans ce mois, c'est spécial, car tu es en train de t'abstenir de manger et de boire pour Allah. Donc tu peux manger et de boire quand tu es tout seul. Mais que tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de t'observer, donc tu crains Allah subhanahu wa ta'ala. Fanta takhaf Allah. La takhaf min Ramadan. Khaf min Rabb Ramadan. Les gens ils te disent non, n'khaf ma Ramadan, parce que Ramadan il va se venger. Non, il y a des gens qui te disent je crains le Ramadan. Si je mange pendant Ramadan, Ramadan va se venger. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que le mois se venge? Non, c'est pas le mois, c'est celui qui a créé le mois, Allah Azza wa Jal. فالتقوى كما فسرها طلق بن حبيب رحمه الله ورضي الله عنه بكلمات مختصرات قال رحمه الله اسمع التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله
صلى الله عليه وسلم تعبد الله على علم، تعبد الله على علم، وأن تترك معصية الله كذلك على أمور من الله على علم، هذا حلال وهذا حرام وهذه شبهة. كيف تعرف أن هذا حلال وهذا حرام؟ بالعلم. أين هو العلم؟ أين هو العلم؟ في اليوتيوب؟ في الفيسبوك؟ في التويتر؟ في القناة الفضائية؟ لا، العلم في الكتاب وفي السنة، العلم في الكتاب والسنة، وليس في الموتور دي ريشيرش تاع جوجل. إذا سخف الله، ما نعبدوش رمضان جوجل، نعبد الله. قال الله وقال الرسول، واش قالوا؟ سمعت، قرأت، تطلعت، اتصلت. هذا نعبد الله؟ لا. إذا تتصل، تتصل بعلماء وتسألهم أسئلة دقيقة، مش أسئلة لف ودوران، كن واضح في أسئلتك. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله. لماذا؟ لماذا نترك معصية الله؟ لماذا هذا حلال وهذا حرام؟ أخذ الحلال وأترك الحرام، لماذا؟ لماذا لا أخذ الحرام؟ لأنني أخاف عقاب الله ولا أريد أن أعصي الله. التقوى عند الله سبحانه وتعالى سي دوبيغ الله سوغ لوميير دالله. لوميير دالله هذه سا سي طلق بن حبيب ان دي بريديسيسور كي نو دون لا سينيفيكاسيون دو لا تقوى. يدي لا تقوى سي دوبيغ الله سوغ لوميير دالله. لوميير ici سي با ان لوميير كوم سا، سي لو كوران اي لا سنة، لا سيونس، en espérant la récompense d'Allah et de délaisser la désobéissance à Allah sur une lumière d'Allah. Sur une lumière, c'est la science, le Coran et la Sunna, en craignant le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، التقوى إنها ليست في الأيدي وليست في الأعين، إنما هي في قلوبنا، وقد أشار إلى ذلك نبينا وقال التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه أو إلى صدره. قال التقوى ها هنا. Le Prophète صلى الله عليه وسلم nous a dit que la taqwa elle se situe dans les cœurs. Donc on peut répéter non, namtaqillah. C'est dans le cœur. C'est de la mettre en pratique. Si elle se situe dans le cœur, le corps va suivre. Mais si elle se situe dans les mains, le corps ne va pas suivre car elle n'existe pas dans le cœur. هل قلبك تقي نقي سليم من الشرك والغل والحسد والبغضاء والتكبر؟ هل قلبك يعيش هذا الموقف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. التقوى، si tu veux voir est-ce que la taqwa est dans ton cœur, vis les événements, vis les événements. Là, on est en train de vivre un événement grandiose, c'est le jeûne du mois du Ramadan. Est-ce qu'on vit vraiment le jeûne, siyam? Est-ce qu'on vit vraiment avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il nous dit, il y a au paradis une porte appelée Rayyan. Rayyan, c'est pas de donner des prénoms à des enfants pour assurer l'intégration. Mais Rayyan, c'est une porte au paradis. Est-ce qu'on va vivre avec cette porte au paradis? Elle s'appelle Rayyan. 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 Ben, ismu Rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imun. Par laquelle entreront les jeûneurs le jour de la résurrection. Personne d'entre eux, personne d'autre que n'y entrera. Et le jour où ils rentreront, cette porte sera
fermé. Est-ce qu'on vit cet événement? Est-ce que tu te vois? Est-ce que tu t'imagines au paradis et tu vois la porte de rien? Tu dis, ya Rab, moi, ya Rab, je jeûnais. J'aimais jeûner. Écoute, n'habb al-siyam. Je le mettais en pratique, ya Rab. Le mois du Ramadan, je l'ai passé dans le Coran, à réciter le Coran. Le mois du Ramadan, je l'ai passé à visiter les malades qui ne peuvent pas jeûner dans les hôpitaux. Ya Rab, le mois du Ramadan, j'ai eu de la compassion, j'ai versé des larmes aux frères, à nos frères qui sont en train de mourir en Birmanie, qui sont en train d'être massacrés en Birmanie. Mon Ya Rab, j'ai pleuré pour mes frères en Syrie. J'arrivais pas à dormir, Ya Rab. Ya Rab, quand j'ai pris la cuillère de la shorba, quand je voulais la mettre dans ma bouche, j'ai pensé à nos frères en Syrie, je l'ai déposé, j'ai dit je mange pas, je peux pas manger, je peux pas, mon cœur il est avec eux, je peux pas. Comment moi, je me goinfre. Et eux, surtout les réfugiés qui sont en Jordanie, ils ont rien à manger, même pas des dattes. Et nous, on est là en train de manger des dattes mielleuses. Ya Rab, j'ai eu cette compassion. J'ai vécu, Ya Rab, le Ramadan. Je peux rentrer par cette porte, Ya Rab. J'aime bien cette porte. Ar-Rayyan. La ilaha illallah. Hal qalbuka ya'ishu dhalika al-mawqif alladhi akhbarana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam anhu sallallahu alayhi wa sallam ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار اسمع 70 خريفة 70 سنة. Est-ce que tu vis avec ce hadith du prophète sallam où il nous dit il n'y a aucun serviteur qui ne jeûne un jour sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mois du Ramadan y compris dans ce hadith les ulama disent un jour sur le sentier d'Allah sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'éloigne son visage, اسمع n'éloigne son visage du soleil, non, de l'enfer. Combien? 70 automnes. 70 années. Est-ce que tu vis? Ya Rab, je ne veux pas rentrer en enfer, Ya Rab. J'ai jeûné pour toi, Ya Rab. Éloigne-moi de cet enfer, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. 70 années, Ya Rab. Éloigne-moi de cet enfer, je ne veux pas cet enfer. Ya Rab, j'ai jeûné pour toi, Ya Rab. Ya Rab, j'ai eu soif pour toi, Ya Rab. Ya Rab, j'ai eu faim pour toi, Ya Rab. Ya Rab, je me suis abstenu, Ya Rab. J'ai abandonné la cigarette pendant le mois du Ramadan. Je suis fier de dire à tout le monde, Ya Rab, je suis fier de dire à tout le monde, j'ai abandonné la cigarette qui m'a aidé le mois du Ramadan, la bénédiction du mois du Ramadan. Ya Rab, j'ai arrêté de jouer au PMU. Le seul, la cause, c'est le mois du Ramadan. Ya Rab, j'ai arrêté la médisance. Ya Rab, j'ai arrêté les mauvaises fréquentations. Ya Rab, j'ai arrêté de boire des boissons alcoolisées. Et je ne reviendrai pas après le Ramadan. Ya Rab, pendant ce mois du Ramadan, je me suis réconcilié avec mon épouse. Je ne vais pas la divorcer. Ya Rab, je me suis rapproché pendant ce mois béni. Et je mange avec ma famille. Toute ma famille est autour de la table. Mon épouse, mes enfants. Ça ne se produit que pendant le Ramadan. Chacun mange dans son coin. Mais pendant ce mois, Ya Rab, j'ai fait un grand effort pour toi, Ya Rab. J'ai réuni toute la famille, la maman, les enfants, et on a tous une date dans la main, et on attend le Eden, et ensuite on mange tous ensemble. Ya Rab, j'ai appris à mes enfants à faire le doua pour nos frères en Syrie. Ya Rab, j'ai appris à mes enfants à faire le doua avant de manger des dattes, avant de rompre le jeûne. Ya Rab, je l'ai fait pour toi. Donc tu vis. Et si tu vis, eh bien le jour du jugement, tu récolteras l'intercession du jeûne et des tarawih. Le Coran, tu as écouté, tu es resté debout comme ça, en train de transpirer. On a fait toutes les causes, on a allumé les climatiseurs, on a allumé les ventilateurs, mais on transpire. Tais-toi, laisse le corps transpirer. Combien il a transpiré dans les péchés? Combien il a transpiré dans le vol? Combien il a transpiré dans la médisance? Combien il a fait des efforts pour faire du mal? Pourquoi il ne fait pas des efforts pour récolter la récompense? Tu penses que rester debout comme ça une heure pour Allah, le jour du jugement, tu ne trouveras pas cette attente? Tu trouveras
de ces gouttes, hein, de ces gouttes qui coulent comme ça tout le long de ton corps. Ma sœur qui est enveloppée dans son djilbab et qui est en train de transpirer, hein, tu penses que c'est, ma sœur, cette transpiration? Tu penses que cette transpiration, ma sœur, tu ne vas pas récolter ces récompenses? Tu es rejeté par tout le monde. On se moque de toi. On ferme les portes. On te refuse dans les hôpitaux. On te refuse par-ci et par-là. On t'agresse. Mais tu ne veux pas enlever ce voile.